couverture santé universelle est donc une politique qui permet à l'ensemble de la population, sans exception, d'avoir accès à des soins curatifs, préventifs et de réadaptation dans un pays. Vous avez une différence certaine avec l'assurance maladie qui met en jeu des mécanismes de solidarité avec un mode de cotisation des contributions des bénéficiaires potentiels malades. Et là, on est dans l'approche de soins, mutualisation des risques et la solidarité. Pour les personnes spécifiquement qui n'ont pas de capacité contributive, il est mis en place également des mécanismes qui permettent de les prendre en charge. Ça peut être par des dotations budgétaires, grâce à la fiscalité, les taxes, la parafiscalité. Quand on est dirigeant, et qu'on place l'homme au cœur des politiques, on ne peut qu'avoir des initiatives qui permettent à la fois de collecter des cotisations, de mettre ensemble les ressources des potentiels, des bénéficiaires et des assurés pour organiser la solidarité, mais avec une gestion assurantielle. Tout le monde a droit. Mais pour y avoir droit, il faut résider sur le sol togolais. Le processus ne change pas, le processus de prise en charge. Vous allez chez le médecin, vous payez la part des soins qui est à votre charge. À la fin du mois, le centre de soins ou le médecin ou le pharmacien envoie sa facture. Il n'en possède au contrôle, s'assure de la cohérence des soins qui sont prodigués et paye au prestataire. Ça ne changera pas.